fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et c'est l'occasion pour moi de vous faire découvrir un nouveau commerce à Limoges, une nouvelle boutique, une épicerie fine. Allez, on y va tout de suite, on va rencontrer Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Bruno. On est où ici? Bienvenue à l'escapade portugaise. Christelle, concrètement, l'escapade portugaise, qu'est-ce que c'est? Alors, l'escapade portugaise, c'est une épicerie fine de produits portugais. J'ai voulu mettre en avant des petits producteurs locaux et des magasins qui sont une grande entité au Portugal, comme pour les savons, les sardines, voilà. Christelle, alors qu'est-ce qu'on trouve à l'escapade portugaise? Alors, dans l'escapade portugaise, on trouve déjà de l'huile d'olive. C'est quand même un produit emblématique du Portugal. Donc, ça vient du nord du Portugal, voilà. Donc, il y a différentes saveurs, différents fruités. Ensuite, on a aussi, pour compléter, tout ce qui est le sel, le gros sel, la fleur de sel, le vinaigre de miel aussi. Et ensuite, il y a une grosse conserverie qui existe depuis plus de 100 ans sur Lisbonne. Donc, j'ai voulu mettre en avant leurs produits. Donc, des tartinables à base de poisson, bien sûr, et toute une gamme de sardines, de thon, maquereaux, calamars, poulpes et anguilles. Et je crois qu'il y a aussi des produits frais, là, derrière. Tout à fait. Alors, j'ai voulu mettre en avant des petits producteurs locaux de la région du centre du Portugal. Donc, j'ai de la charcuterie et différents fromages donc, qui sont aussi DOP. Donc, c'est tout au lait cru. Il y a du fromage de chèvre, de brebis, de vache, brebis, chèvre. Voilà, on a vraiment différents types de fromages. Et au niveau de la charcuterie, on a du chorizo, bien sûr, du jambon cru et puis différentes saucisses sèches. Christelle, le Portugal, c'est aussi un des pays du vin. Bien sûr, oui, notamment avec le Porto. Hein, on est bien obligé de passer à côté. Donc, il y a le Porto rouge, Porto blanc. Après, on a aussi différents apéritifs ou des liqueurs avec le moscatel que les gens connaissent, les liqueurs de pastel de nattes ou la ginge qu'on boit dans des petits verres en chocolat. Et après, on a bien sûr aussi les vins, le vin vert que tout le monde connaît, qui est un petit peu pétillant. Après, toute une gamme de vins rouges qui s'accordent avec nos différents plats. Il n'y a pas de souci. Alors Christelle, vous n'avez pas toujours été chef d'entreprise. Comment vous en êtes arrivée à créer cette entreprise et quelles ont été les étapes de la conception de l'escapade portugaise? Alors c'est vrai, moi j'ai travaillé dans une imprimerie, mais ça faisait un petit moment que j'avais l'idée qui me trottait dans la tête de vouloir créer quelque chose. Et c'est vrai qu'à Limoges, il n'y avait pas ce style de magasin de mettre en avant les produits un petit peu plus fins de tout ce qui est du Portugal. Donc, j'ai gardé cette idée dans un petit coin et puis mon entreprise a fermé. Donc, je me suis retrouvée au chômage et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai dit, c'est maintenant ou jamais de se lancer. Devenir chef d'entreprise, ça ne s'improvise pas. Est-ce que vous avez été aidée et par qui? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se retrouve un petit peu seul. Et en fait, j'ai pris contact avec le Chambre de commerce et d'industrie qui m'ont beaucoup aidée, qui m'ont aidée justement dans mon projet. Et j'ai eu aussi France Active qui s'est proposé de se porter garant pour mon prêt aussi. Il faut le savoir, qui sont là pour nous aider. Et je conseille à tout le monde de se faire suivre vraiment par la chambre de commerce, enfin vraiment d'être aidé. Le magasin a ouvert en juillet de cette année. Quel premier bilan peut-on tirer et quels sont déjà vos prochains objectifs? Bah écoutez, je suis quand même contente du démarrage. Donc j'espère qu'avec les fêtes de fin d'année, ça va me redonner un coup de boost, me faire connaître un peu plus. Je vais proposer justement des coffrets à créer en fonction de chaque personne ou en fonction des goûts de chacun. Et puis si vraiment l'évolution est au rendez-vous, après pouvoir faire des livraisons à domicile aux gens, enfin essayer de se diversifier et d'apporter plus de savoir-faire à la clientèle. Christelle, malheureusement, il est temps de se quitter, mais je vais profiter de votre savoir-faire, de vos conseils. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour organiser, par exemple, un apéro portugais ce soir? Pour un apéro portugais et en plus ludique et rigolo, moi, je vous conseille le chorizo. Vous faites quelques entailles sur votre chorizo, vous le posez sur votre petite barque, vous versez un verre d'eau de vie ou d'armagnac, de l'alcool que vous avez, vous faites flamber votre alcool et le temps que l'alcool flambe, vous tournez régulièrement votre chorizo pour pas qu'il crame. Une fois que l'alcool est éteint, vous pouvez couper votre chorizo et le déguster. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous venez acheter ce qu'il faut pour l'apéro et puis surtout, vous buvez avec modération.